depuis l'Africa Foot. Cette nouvelle vient de tomber pour Samuel Eto'o, fils qui demande la démission. Comme vous le voyez très bien, nous captons quelques ambiances au niveau de l'Africa Foot. Nous sommes avec Samuel Eto'o, fils qui décide en ce jour qu'il n'est plus président de l'Africa Foot. Partagez ce direct en ce jour-ci à l'Africa Foot. Partagez ce direct. Vous savez très bien que après la déception des Lions Indomptables, notre président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, a décidé en ce jour. Comme vous le voyez très bien, nous captons déjà les réactions des Camerounais. Maman, je dis très bien, l'Africa Foot est inondé maintenant. Lorsque Samuel Eto'o a annoncé la démission, maman, beaucoup de Camerounais demande à Samuel Eto'o de ne pas démissionner. Puisque vous savez que les gens sont contre Rigobert Song parce que lui, il dit ceci. Partagez d'abord ce direct. Samuel Eto'o est avec nous. Il va s'exprimer devant tous les Camerounais qu'il, en partie de ce jour-ci, cette vidéo, comme je vous parlais très bien, ce n'est pas le montage. Nous sommes en direct. Nous sommes le 6 février 2024, ici même à Yaoundé, à l'Africa Foot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé du côté de Tchinga. Partagez ce direct pour Samuel Eto'o, fils, qui va parler aux jeunes, à la jeunesse. Donc il va parler qu'il n'est plus président de l'Africa Foot, maman. Vous savez que Samuel Eto'o a donné la gueule aux Camerounais, que l'Africa Foot, c'est un peu temps pour lui, que lui l'a pris pour arranger le football. Maman, je dis que ça a cuit. Partagez. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions parce que le dehors bouge maintenant. Ça bouge. Si Samuel Eto'o fils part, Rigobert Song sera comment? Maman, je dis le dehors, si ça a cuit aujourd'hui. Oui, nous sommes le 6 février 2024. Cela se passe actuellement. Si partagez ce direct, nous vous reviendrons parce que nous avons quelques problèmes techniques.